Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petit convoi extraordinaire, on va transporter ça, une vieille locomotive à vapeur. Donc l'idée c'est de l'emmener de là où elle a été entreposée vers les ateliers qui sont tout là-bas, derrière les arbres, pour qu'elle soit réparée. Donc on va la charger sur le camion avec mon ami Patrick qui est sur le wagon. Salut Patrick. Allez, bonjour. Allez, on va s'amuser, on va essayer de faire ça. On va essayer de pas se couper. Hop, parce qu'il y a un gros chantier. Tac, alors, on va déjà y embarquer ça. On va se lever ça. En plus, tu vas voir comme ça fait plier la grue quand je l'attelle, c'est un truc de malade. Alors, attends, je dois pas être assez loin. Non, je vais me faire niquer. Hop, on va baisser le bras directement pour aller de l'autre côté. Alors, si le crochet voulait arrêter de dandiner, ce serait pas mal. Il faut pas être mal. Tac, on va aller mollo parce que pas tout exploser non plus. Il faut pas être mal là, non? Ouais, pour moi ça doit être bon. Ouais, allez, je te laisse l'atteler. Accroche-la pas au sifflet. Voilà. Tu m'as l'air pas mal là. J'ai attelé. Alors attends, on va se la lever doucement. Putain. Je vois pas les rafler. Alors ça a l'air de l'embarquer, c'est bon. Je suis en dessus, je suis bien haut, pot. Ouais, ça a pas l'air moche. Non, je suis pas assez haut là. Non, je pense pas. C'est pas évident avec les caméras de la grue parce qu'on n'y voit pas grand chose. Attends, je vais me foutre de l'autre côté. Là, je vois mieux. Voilà, ça doit être bon. Tu peux reculer. Je vais la lever un peu plus. Bon, attends, je vais pas reculer trop vite. Parce que t'as vu, elle se balance quand même. Et le problème, c'est comme je te dis, après elle va tourner et si elle tourne, je suis mort, je peux plus la mettre sur le canon. Hop. Alors attends, je vais essayer de m'aligner par rapport à toi. Ah, calme-toi. Doucement. Tout doucement. Bon, ça m'a pas l'air moche moche. Ouh. Alors faut que tu arrives à te mettre bien bien aligné dessous. Le plus droit possible. De toute façon, on peut se reprendre à plusieurs fois. Hein. Et faut que ma cabine elle soit le plus en arrière possible, sinon après je touche devant, c'est comme tout à l'heure. Ah, vas-y, avance encore. Faut avancer bien de bonne longueur. Hein. Encore, vas-y. Ouais, peut-être pas autant, un poil moins. Là. Et niveau alignement. Ah merde, t'es plus. Bah moi, si je regarde au-dessus, je suis bon, tu sais. Attends, je vais descendre, mais normalement, moi de côté, je suis pas bon. Non, tu vois, je suis à côté. Il faut que le cul de ta remorque il soit plus vers moi, en fait. Il faudrait que tu te mettes. Quand t'es dedans, que t'ailles plus vers ta droite. Non, l'autre côté. Ah, mais attends. Ouais, quand t'es dedans. Ah, t'étais peut-être pas mal comme t'étais. Là, redresse tout. Au pire, je reculerai sinon si t'arrives à te mettre parallèle déjà. Bon, ça doit pas être trop mal là. Non, non, t'es de traviole. Moi, je te vois de traviole. Non, bon, en me mettant ici derrière, je suis droite, tu sais. Regarde. Si je descends. Reculer un poil. Oh, tu vois, je suis trop. Non, 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 Il n'y a pas c'est bon. grand-chose. Ouais, tu peux baisser. Alors.
Il aurait fallu peut-être reculer un tout petit peu le camion. Parce que je touche au riddle derrière. Là. Ah, ça l'en pas trop. Ça dit quoi, je suis dessus ou quoi? Ah, je suis un peu... Non, 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 c'est bon, vas-y. Le cul, il est pas simple. Bon, j'essaye de redresser. Là. Tu sais pas, tu vas aller la verrouiller. Vas-y, verrouille. C'est la touche X. Ça t'affiche bien déverrouillé après. Attends, je sais pas parce que j'ai retiré l'HUD. Ah oui, merde. Verrouiller chargement. Voilà. C'est bon. Ça t'affiche après déverrouillé. Et bah, tu me dételles le truc, le crochet, comme ça je le relève pour pas que ça tape. Tu me dis quand c'est bon. Bah, il faudrait déjà que j'y sois. Avec la caméra, tu peux monter avec la molette de la souris pour tricher. Ah ouais, juste. Là. Ok. Allez, comme ça, ça c'est embarqué. Zumba. Attends, je remonte bien que ça nous fasse pas chier. Bon, première étape, réussi. Alors attends, je tire le passage pour que tu puisses sortir. Bah, je pars par là quand même. Oh. Ah mais non, on passe pas par là, je suis con. Non, je passe par ici, tu dois juste bouger le 4x4. Ouais, c'était... Moi je croyais qu'il fallait que j'enlève mon truc, mais non. Hop. Alors, t'es où toi? Attends, je regarde mon bordel que j'ai affiché. Bon, normalement elle tourne bien la remorque, ça va. Donc là, logiquement, tu passes et après, comme je t'ai dit, tu tournes à droite et logiquement, ça va y aller tranquillouche. Tu vois, c'est porte vite, hein. C'est vicieux, ce tournoi. Ouais, je vois pas l'arrière, là. Bah, c'est bon, t'es nickel. Vas-y, ça doit passer, non? Non, je suis bloqué. T'es bloqué où? Attends, je vais voir. Ah putain, tu touches au poteau? Non. Ah si, il y a un poteau là. Merde, il y a un piqué. Oh, ouais, putain. Je suis en plein dedans, mon commandant. Redresse droit. Essaye d'aller bien droit. Oh putain, on va se le faire niquer. Sauf si t'arrives à te remettre carrément dans le chemin. Je suis pas sûr. Là, vas-y, serre à droite. Essaye d'aller droit, ça tombera pas les roues, ça déportera pas. Je crois à ce quoi là? Toujours le piqué. Encore? Ouais, parce que les roues elles tournent en fait. Ah, mais c'est de la merde, photo. Il faut que tu tournes le moins possible en fait. Oh putain. Va tout droit. Oh. En fait. Ah, voilà, t'es planté, non? Non. Putain, c'est l'arrière. C'est juste les riddles de la remorque qui te font chier. Et tu touches devant aussi? Pas encore, non. Essaye de gripper le plus possible droit. Au pire, tu feras une marche arrière une fois que t'as touché le mur. Pour mettre le camion en portefeuille, on s'en fout. Parce que dès que tu tournes camion, en fait, ça tourne. Va chercher la disqueuse. C'est clair. Putain, c'est... Tu sais ce que c'est qui touche? C'est le petit panneau de rouge et blanc qui dit que la remorque est large. Voilà, t'es mort. Oh, là, je crois que je suis planté. Ouais, là, tu vas être mort. Et merde. Ah non, c'est bon. Tu tournes pas? Si. Bon, allez, c'est pas très orthodoxe, mais tant pis. Il suffisait de décrocher. Ouais, mais c'est le petit panneau de répétiteur. Par contre, t'as pas mis le gyro. Oh putain. Ah, c'est nickel. Ouais, et les gens, ils passent, ils doivent dire c'est qui, c'est le malade. C'est nous. Ils ont jamais vu ça. Ah, mais tu vois, après là, c'était encore plus à l'équerre. J'ai pas trouvé d'autre sortie, t'es avec eux là-bas. Il est pas le choix. Je crois que c'était le plus somme de sortir ouais, de palier. Serre pas trop les poteaux par contre. Voilà. Roule à gauche.
C'est la collision de la loco qui déconne. Ah, parce que normalement je passe en dessous quand même. Non, non, tu passes tranquille, mais le deuxième, je sais pas pourquoi, il m'a fait pareil tout à l'heure. La collision, elle l'a pris. Faut pas chercher. Et si je passais devant, c'est pas plus intelligent? Bah, je crois que ça serait mieux. Ouais, mais je te vois plus après. Bah, tu roules en marche arrière. Bah, ouais, ouais, bien sûr, c'est super facile. Je connais la route. Oh, c'est pas grave, je connais la route. Ouais, j'ai pas mis le trafic, hein, je suis gentil. Oui, vaut mieux. On sait jamais. On va dire que c'est le jour férié, y'a personne. Ah, ils sont tous partis en vacances. Voilà, c'est clair. Ah, attends, c'est où qu'on tourne? Non, c'est pas encore. Parce que du coup, je vois pas où je dois tourner. Attention. C'est là. Ah oh, putain, il fait me faire le stop. Ouais, nickel. Bon, là, de toute façon, tu peux prendre normal, ça tourne bien après pour rentrer. Te bouffe pas le panneau, ouais, fais gaffe parce qu'il est pas il est collision. Mais... Ah oui. Attends. Le panneau par contre de la bestiole là, tu peux passer dedans, y'a pas de soucis, c'est un faux. Ouais, nickel. T'as qu'à te mettre bien droit comme ça, sans taper le bâtiment. Là non, y'a pas de toit, c'est bon. Hop. Tac, allez. Oh. T'es où? Je suis à l'envers. Demi-tour technique. Ah putain. Comme gros. Hop là. Nickel. L'affaire qui roule. Hop. Allez. Sens inverse. Bon, à décharger, logiquement, c'est plus facile qu'à charger. Normalement, je suis déverrouillé. Ouais, il me semble la boule. Ouais. Ah, c'est parce que il y a des moments où je dois appuyer deux fois dessus. Alors. Là, tu sais que t'es presque tombé pile poil sous le crochet. Trop fort. Presque. Ah, j'aime pas quand il se balance comme ça. Tiens. Toc, là. Doit pouvoir là, descendre un peu. Tac. Et voilà. Alors, essayez de pas aller trop vite parce qu'après, ça va me la foutre de traviole. Tu passes? Putain, il passe de ça. Ah. Je croyais que. Ah ouais, si, c'est bon. Je me voyais moins haut que ça. Hop. Là, on va la mettre en face de la porte. Ils vont y faire quoi, la vidange? Ah merde. Pourquoi à mon habitude. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est... Ah non. Non, c'est bon. Tiens, faut que t'ailles me dételer par contre. Elle va redescendre toute seule. Quoi. Là, voilà. Tac. Nickel. Facile. Finger in the noise. Par contre, le cheminot, il a pas coupé le... l'accélération parce que les roues elles tournent toutes seules. Ouais ouais elles tournent, là c'est la force d'inertie ça. Il y a encore de la vapeur. Ouais, pour montrer que c'est une vraie hein. C'est pas une fausse. Ouais. Faut bien qu'ils voient que c'est un vrai truc. Voilà. Bon allez, on s'est bien amusé. Petite vidéo simpliste. Moi j'aime bien, c'est rigolo. Court mais bon. Voilà, c'est clair. Oh, c'est pas planté, à part pour sortir, mais bon, ça je le savais, c'était chaud. C'était chaud le passage. Bon, ben voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore un convoi exceptionnel, après le silo, la locomotive. La prochaine fois, on fera un avion. Allez Patrick, je te remercie pour ton aide. Et ouais, puis, je t'en prie. À très bientôt tous. Bye bye. Allez, salut.